Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » À la fin du temps de Noël, nous célébrons aujourd'hui le baptême de Jésus. La scène que nous contemplons aujourd'hui introduit le ministère public de Jésus à la fois de manière ordinaire et de manière extraordinaire. Jésus adopte un mode de vie ordinaire. Il fait pleinement partie de l'humanité qu'il vient visiter. Lui qui n'a pas péché, il vient prendre sa place dans la file des pécheurs. C'est ainsi, dit-il, qu'il lui faut accomplir toute justice. Mais, dans cet ordinaire, c'est bien un homme extraordinaire qui se manifeste, celui dont la voix du Père dit qu'il est son Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. C'est peut-être une image de ce que nous avons à vivre à la fin de ce temps de Noël et alors que nous allons reprendre demain le temps ordinaire. Il s'agit aujourd'hui d'accueillir l'extraordinaire de la présence de Dieu dans le quotidien et l'ordinaire de notre vie.